consultatif pour la préparation de la tenue de la 9e assemblée du World Movement for Democracy, mouvement mondial pour la démocratie. Vous l'avez déjà lu sûrement dans les documents qui vous ont été distribués. C'est la première fois qu'un pays de l'Afrique subsaharienne accueille un tel événement, qui se tiendra ici même à Dakar, au King Fahd Palace, du 6 au 9 mai 2018. Vous le savez, mesdames et messieurs, le choix du Sénégal n'est pas fortuit. Des voix plus autorisées y reviendront, sans doute, car la modestie de notre espace géographique et de nos ressources naturelles n'ont pas empêché notre peuple à se hisser à une place de choix dans le concert des nations leaders. Le Sénégal est fréquemment présenté comme un exemple de démocratie en Afrique. Partners West Africa et les membres du Conseil consultatif s'honorent que le Sénégal accueille une importante conférence mondiale sur le thème « La construction des partenariats stratégiques pour le renouveau démocratique ». Je suis enchantée du grand intérêt porté à cette rencontre qui, disons-le, sera le prétexte pour revisiter l'espace de la démocratie qui se transforme aujourd'hui avec la globalisation. Nos États sont tous soumis à ce que le sociologue allemand, auteur de La Société du risque, Ulrich Beck, appelait la cosmopolitisation du monde. Celle-ci doit désormais prendre en considération des logiques mondiales et planétaires, telles que les menaces terroristes, nucléaires, climatiques, etc. Vous en conviendrez avec moi que la démocratie est aussi un long processus jamais achevé, surtout en Afrique, où on assiste souvent à des éclaircies de démocratie vite assombries par la mauvaise foi des acteurs politiques. La démocratie, mesdames et messieurs, n'est pas non plus une œuvre exclusive des acteurs politiques. La société civile et les différents acteurs sociaux peuvent et aussi doivent constituer un véritable levier de pression afin de contraindre les dirigeants politiques à observer scrupuleusement les principes démocratiques. Je suis aussi heureuse de vous annoncer au nom du Conseil consultatif que plus de 350 acteurs, activistes, des praticiens, des universités, des donateurs venant de près de 80 pays à travers le monde traiteront de ce thème et approfondiront ce débat à travers un large éventail d'ateliers et de tables rondes. Pour vous donner la pleine mesure de cette rencontre, en plus du thème général, l'Assemblée fera un focus sur d'autres thèmes en relation avec le sujet évoqué. Une liste complète des ateliers, des sessions plénières et des conférenciers invités est disponible sur le site du World Movement for Democracy. Mesdames et messieurs de la presse, vous l'avez déjà constaté, le nombre de participants et la diversité des thématiques retenues pour cette conférence montrent la dynamique du World Movement for Democracy, mouvement mondial pour la démocratie, qui va regrouper à Dakar plusieurs générations de chercheurs venus d'Afrique, d'Europe, de l'Asie, des Amériques, avec en plus pour souci de rapprocher les francophones et les anglophones. Afin de conclure, je voudrais adresser nos sincères remerciements à tous les membres du conseil du comité d'organisation et du conseil consultatif, mais également à OSIWA, Open Society for Initiative in West Africa, pour avoir répondu à nos sollicitations en acceptant de soutenir la participation de 5 West Africains et de 40 Sénégalais à cet événement, mais également en finançant le workshop dirigé par le groupe consultatif sur l'art et la culture en démocratie. Et finalement, OSIWA a également décidé d'organiser un pré-event le 5 mai intitulé « Réflexion sur le crossover en Afrique, de la société civile au gouvernement ». À vous les journalistes, car
pour que cette lutte pour notre démocratie. Je sais que beaucoup d'entre vous seront au premier rang du combat. Comme l'a si bien dit le président Barack Obama dans son discours d'adieu de janvier 2017, la démocratie ne requiert pas l'uniformité. Nos fondateurs se sont querellés et ont fait des compromis. Et se sont attendus à ce que nous fassions de même. Mais ils savaient que la démocratie avait besoin d'un sens de la solidarité. Notre gratitude va enfin à l'État du Sénégal pour le grand intérêt qu'il porte à ce congrès qu'il a accepté d'accueillir. Mesdames et messieurs, cette rencontre est un grand pari. Et je pense que ce pari, nous le gagnerons ensemble. Ce sera pour nous l'opportunité de partager et de faire partager nos expériences et les propositions qui découleront des différents ateliers. Je vous remercie. On peut l'éteindre, hein? Concernant le rôle de la société civile, nous estimons à sa juste valeur que la société civile a un rôle de contrepoids à jouer. La société civile, en fait, a un rôle en accompagnant non seulement les politiques, mais aussi en veillant ce qu'on appelle le contrôle démocratique citoyen. Ça, c'est la société civile. Et lorsqu'on parle de société civile, vous, journalistes, vous faites partie de la société civile. Donc, je vais laisser Momo Abdoulaye Meng compléter cette réponse.